Et bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va toujours très bien, toujours en confinement comme on peut le voir. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui m'a été demandée par un abonné qui est Étienne. J'ai décidé de lui faire sur Lady Gaga et Rihanna. Il m'a demandé si j'avais assez de quoi faire sur ces deux artistes. J'ai de quoi faire, donc j'ai décidé de lui faire plaisir. Alors on va commencer avec Lady Gaga. De son vrai nom, Stephanie Joanna Angelina Germanotta. Elle est née le 28 mars 1986 à Manhattan, à New York. Voilà, c'est une auteure, compositrice et interprète, actrice et danseuse américaine. Elle fait son style de musique, c'est dance, pop, électro. On l'a connue en 2007. Voilà ce qu'on pouvait un peu savoir sur elle. Alors, je vais commencer avec son premier album, qui est The Fame. Voilà, ça c'est son premier album. Et dans cet album, on y retrouve ses titres les plus emblématiques, comme son premier single qui a été Just Dance. Ensuite, on y retrouve Love Game, Paparazzi, Poker Face, Hey Hey Hey. Voilà, ça ce sont pour les titres de cet album. Une pochette pas mal, mais sans plus, c'est pas forcément l'une des meilleures, mais je trouve par contre l'album l'un de ses meilleurs albums. Voilà pour son premier album. Ensuite, on passe aux singles de cet album qui ont été le Just Dance et celui-là. Faut savoir que moi, habitant en Suisse, je n'ai pas forcément les singles avec les pochettes françaises, j'ai les pochettes européennes la plupart du temps. Alors pour celui-là, il y a deux versions, il y a le main et le 2, c'est le Trevor Simpson Remix pour ce single. Voilà. Le deuxième single qui est Poker Face, pour moi l'une de ses meilleures chansons, en tout cas de cet album, avec la main version, la Glamorous Club Mix by Gena et le Dave O'Day Remix pour ce single. Voilà. J'aime beaucoup la pochette, je trouve que j'adore sa coiffure. Plus, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Nous avons le single Love Game, avec deux versions dans ce single. C'est l'album version et le Robot to Mars Remix. Voilà, pour ce single. Le single que j'aime le moins de cet album, ça va être Hey Hey, avec trois versions, l'album version, le Pet Shop Boys Radio Mix et le Random Soul Synthetic Mix. Voilà, ça c'est peut-être les singles que j'aime le moins pour cet album. Enfin voilà. Ensuite, elle nous a fait cet album, elle nous l'a sorti dans une version pas remixée, collector, où elle a fait The Fame Monster, voilà, comme ceci. Et dans cet album, qui est un double album, elle nous a fait les titres comme Bad Romance, Alejandro, nous avons Dancing in the Dark, Téléphone, en duo avec Beyoncé. Et dans le deuxième, ce sont des versions du premier album, dont on a Just Dance, on a Love Game, Paparazzi, Poker Face, voilà. Donc, je vais vous montrer comme ça. Vous pourrez faire poser voir les titres qu'il y a dans cet album. Un bel album aussi que je conseille. Voilà, c'est un double. Hop, comme ceci. Et on ouvre et on a le deuxième qui est là. Ma chanson préférée de celui-là, ça va être Bad Romance. Et justement, on passe à Bad Romance, comme ceci, avec le single en radio edit, le Bimbo Jones Radio Remix et le Jeff Fun A1N1 Remix. Voilà. Peut-être celui-là, j'aime pas trop la pochette, je trouve pas foufou. Par contre, le clip, une tuerie. Un autre single, celui-là, c'est le Telephone The Remix. Alors celui-là, je l'ai eu. Ça, c'est une version, enfin, je l'ai eu. C'est une version américaine. J'ai réussi à le trouver aux États-Unis. Alors dans celui-là, il y a 9 versions. Bon, je vais vous faites comme ça vous pourrez voir les versions qu'il y a, parce que je ne vais pas toutes vous les énumérer. Voilà. Ça, c'est son single, enfin son duo qu'elle a fait avec Beyoncé. Aussi un très beau clip pour cet album. Puis comme vous pouvez voir, la pochette est comme une pochette d'album. Voilà.
un très beau single, j'aime beaucoup. Très bon titre. Et après, nous avons le Paparazzi. Et là, nous avons quatre versions. Il y a la Radio Edit, la Moto Blanco Radio Mix, le Jeff Fughetto House Radio et le Demolition Crew Remix. Voilà. Aussi un très bon titre et de très bons clips. Pour cet album, elle avait fait de super clips, moi je trouve, et puis de super chansons. Après, nous avons eu un Lady Gaga Remix. The Remix avec tous ces titres remixés. On a Death in the Dark, Just Dance, Love Game, Poker Face, Hey Hey, Paparazzi. Voilà. Super sympa, un peu tous ces titres remixés. Moi, j'aime bien aussi les remixes. Des fois, il y a des remixes qui sont mieux que les originaux. Ensuite, on passe alors directement maintenant à son nouvel album qui a été The Band This Way, comme ceci. Et celui-là est sorti en trois versions. Nous avons la version, comme celui-là, c'est la version collector avec deux titres. Nous avons une autre version avec une clé USB et la version simple. Moi, j'ai la version collector. Comme vous savez, je suis fan des versions collector. Voilà. Et là, on y retrouve les titres comme Married the Night, Born This Way, Judah, American, Blondie Mary, Black Jesus. Voilà. Aussi un très bel album. Ma chanson préférée, c'est Judah et Born This Way de cet album. Voilà. Hop, comme ceci. Et comme cela. Aussi un très bel album que je peux vous conseiller pour les gens qui aiment Lady Gaga, à conseiller. Et ensuite, on a eu le single Born This Way. Ça, c'est un maxi 4 titres. Hop, comme ceci, tout en digipack. Super sympa. Et après, à partir de là, les singles ont commencé à se faire moins rares. Donc, j'ai pas pris les autres singles parce que je les trouvais plus en magasin. Et puis, les commander sur Internet, j'y ai pas fait. Donc voilà, donc je suis resté là pour cet album. Ensuite, on est passé à l'album Art Pop. Alors, un album qui a un petit peu moins marché, pourtant un album super sympa aussi, avec les chansons comme Venus, comme Gypsy, Applause, qui est aussi un très bel album, un peu plus pop. On voit que c'est un petit peu plus psychédélique par rapport à sa pochette. Voilà. Le CD est super sympa, j'aime bien aussi quand il est un peu picture comme ça. Voilà. Aussi un bel album à conseiller. Et ensuite, on passe au dernier album que je me suis acheté sur elle, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'attendais pour vous faire la vidéo. J'ai acheté l'album Johan. Celui-là, j'avais eu beaucoup d'hésitations à l'acheter, mais je me suis dit, il faut l'acheter, il ne faut pas l'acheter, il faut le prendre pour la collection ou pas. Là, j'ai quand même décidé de le prendre. Et là, j'ai la Deluxe Edition. Bon, dans celui-là, on y retrouve les titres comme John Wayne et Perfect Illusion, qui sont des très bons titres. Pour les autres, un petit peu moins fan. C'est peut-être l'album que j'aime le moins dans tout ce qu'elle a fait. Mais pour moi, ça reste quand même une superbe artiste dont j'aimerais bien avoir la chance de pouvoir la voir en concert. Mais bon, ça reste à voir. Comme je devais me rendre aux États-Unis cette année, au mois de mai, mais pour l'instant, c'est un petit peu dur. On attend toujours, hein. On espère peut-être un miracle, mais bon, pour l'instant. Et puis comme elle faisait normalement des concerts là-bas, on aurait peut-être espéré pour la voir, mais bon, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Donc voilà ce que je vous ai présenté sur Lady Gaga. Dites-moi si vous aimez Lady Gaga, puis si vous avez des albums, et qu'est-ce que vous avez, et qu'est-ce que vous aimez comme titre. J'aimerais bien savoir ce que vous aimez comme titre. Maintenant, on passe à Rihanna. Alors Rihanna, je l'ai découvert avec son titre Pump the Replay. Voilà. Alors Rihanna, je vais vous dire un petit peu deux, trois petites choses sur elle quand même. Alors Rihanna, née le 20 février 88 à Saint-Michel. Elle est originaire de la Barbade. C'est une chanteuse pop, R&B et hip-hop. Son nom de naissance est Robin Rihanna Fenty. Voilà. C'est pour ça qu'elle a aussi fait on la connaît depuis 2003. Elle a aussi fait une collection de vêtements, de produits, choses comme ça. Bon, moi, ça, c'est pas mon domaine. Moi, je suis resté sur la chanson avec elle. Voilà. Donc, moi, je l'ai découvert avec Pump the Replay. Voilà, qui est son
je veux pas faire de bêtises, pas d'erreurs. Si c'est son premier single ou quoi, je ne sais pas. Je vous dirai pas de. Mais en tout cas, c'est le premier que je possède. Voilà. Ensuite, nous avons SOS, qui est une reprise, alors de laquelle je ne saurais pas vous dire, mais c'est une reprise d'une autre chanson. Et là, voilà, comme ceci. Et celui-là, bon, je l'ai. Il faut que j'aille le chercher derrière, mais je ne vais pas le faire. Je l'ai aussi en vinyle. Ensuite, le premier album que j'ai acheté sur elle, c'est le Good Girl Gone Bad. Voilà. Son premier. Celui-là, je l'ai en. Et c'est là où on y retrouve la chanson comme Please Don't Stop the Music. Voilà. Qui est un très bon titre, Rehab et tout ça. Pour moi, un très très bel album. Et nous avons le single ici. Alors ça, c'est une single version maxi, mais c'est le single. Voilà. Là, c'est le Don't Stop the Music. On continue avec Rehab. À chaque fois dans ce single, il n'y a que deux titres. La version normale et la version instrumentale. Voilà. Hop. Nous avons Shut Up and Drive. Avec la Radio Edit et la The White Boys Club Mix. Belle pochette, j'aime bien les couleurs. Après, nous avons Hat Tat I Love You en featuring avec Ne-Yo. Peut-être celui-là un petit peu moins connu. C'est un des titres qui a eu le moins de succès. Et après, nous avons Disturbia. Très belle chanson. On passe à un autre album qui est l'album Rated Hair. Voilà. Alors celui-là, peut-être un album moins intéressant, je dirais, parce qu'il est peut-être un petit peu plus sombre. Voilà. C'est là où on y retrouve les titres comme Rich and Roulette, Rude Boy. Aussi un très bel album, mais un peu moins intéressant que celui d'avant. Ensuite, nous avons le Lude. Alors celui-là, un très bel album, avec une de mes chansons préférées de cet album, que je la retrouve avant que je dise une bêtise. C'est Only Girl, que j'aime beaucoup. Après, on y retrouve les titres comme Mind Down, SM, What's My Name. Un très bel, très très joli album. Voilà, si vous voulez voir un peu plus. On continue avec l'album Talk Talk Talk. Non, Talk Talk Talk. On va y arriver. Voilà, comme ceci. Avec ici les Yoda One comme titre. Rock Me Out. Voilà, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a comme titre. Celui-là, je suis moins fan. Je dirais, je suis pas trop fan. À partir de là, j'ai commencé un petit peu à décrocher sur Rihanna. Et le dernier album que j'ai, c'est Unapologetic. Je vais y arriver. Voilà. Bon, quoi dire sur. C'est là où il y a le titre Diamond que j'adore. Voilà, ça c'est un très bon titre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un double. Ouais, c'est un double. Hop, ceci. Eh bien, il y a un live dans le deuxième single, le deuxième CD, c'est un live. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter sur ma collection Lady Gaga et Rihanna. Alors voilà les amis, j'espère que ça vous a plu de pouvoir voir un peu ce que je possède, ce que j'ai, ce que j'ai pas. Voilà. Rihanna, peut-être je connais un peu moins. Voilà, j'aime bien aussi, mais je suis moins calé sur Rihanna que sur Lady Gaga. Lady Gaga, j'aimais un peu plus. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses sur Lady Gaga. Donc, dites-moi vous, qu'est-ce que vous aimez parmi ces deux chanteuses, si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous avez des albums, des singles, des choses sur eux. Pour moi, l'album de Rihanna que j'aime le plus, comme je vous ai dit, c'est celui-là. Et l'album de The Fame Monster, celui de Lady Gaga. Je vais y arriver.
un petit bug. Bon, alors les amis, si ça vous a plu cette petite vidéo et que vous voulez en revoir plus, ben, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je vous fasse sur d'autres chanteurs, chanteuses, ben, dites-le moi. Si je possède d'autres choses, ben, je ferai comme j'ai fait avec celle-là. Je ferai un mix et puis je vous montrerai un peu ce que j'ai. Ben, sinon, ben, je vous ferai sur d'autres que je possède. Donc les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao 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 ciao.